Ça m'avait manqué, hein, je vais pas mentir. Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça fait quand même pas mal de temps que je vous en ai pas sorti et je vais vous expliquer pourquoi. Et j'avoue que le titre de la vidéo est un peu aguicheur, mais c'est ce qui se passe et il faut qu'on en parle quand même. Donc avant toute chose, merci à tous ceux avec qui j'ai discuté sur Insta, Twitter ou tous les autres réseaux sociaux qui sont venus me parler bah, du fait que j'étais plus là, ça me fait extrêmement plaisir. Après, j'ai pris genre 2 ou 3 semaines de pause dans 2 ans et demi de vidéo. Ça va, j'ai le droit de prendre une petite pause quand même, non? C'est pas. Après, il y en a peut-être qui l'ont même pas vu passer. Ça, c'est autre chose, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on va discuter, ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. J'aime bien ce format, même si c'est pas le truc qui va faire cliquer et tout, mais on en a rien à foutre. Aujourd'hui, on est là pour discuter. N'hésitez pas à prendre l'espace commentaire du coup, bah justement pour parler des différents sujets, donner vos avis, etc. sur ce qu'on va aborder. Et puis, bah si vous kiffez cette vidéo là, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si vous l'êtes pas déjà. Et puis, on va commencer tout de suite. Déjà, pourquoi j'étais absent? Bon, il y en a qui le savent déjà, j'ai un travail à côté et du coup, ça fait que des fois c'est un petit peu difficile de faire les deux. Il y a eu une fin d'année assez intense, j'avoue que j'étais fatigué et c'était, je pense, une accumulation plein de choses parce que avant ça, on a fait genre 10 ou 12 semaines d'affilée avec un TikTok par semaine, une vidéo par semaine, plus bah, toutes les stories et peut-être des lives parfois même le matin sur Twitch. Et bah, l'accumulation a fait que j'étais fatigué. Donc pendant les 3 semaines, là, je me suis couché assez tôt. C'est assez inhabituel depuis pas mal de temps maintenant. Je me suis levé tôt aussi et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai repris le sport, ce qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai vu mes proches, etc. Donc c'était pas plus mal d'un côté parce que ça m'a permis moi de me remettre, on va dire, la tête un petit peu dans ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais vraiment envie d'être sur internet, etc. Donc je me suis dit, Thibaut, si t'as pas envie de faire de vidéo, tu sors pas de vidéo. Parce que c'est pas mon travail premier, c'est pas une source de revenus parce que vous le savez déjà, c'est pas si grave si j'en fais pas, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'était important que je la fasse parce que ça m'a permis de me remettre dans la tête ce que j'avais vraiment envie de faire. Et encore merci aux personnes avec qui j'ai discuté de ça parce que ça m'a permis aussi d'étayer un petit peu mon propos et d'étayer un petit peu ma pensée sur ça. Et pour faire lien avec le titre de la vidéo, c'est pas que j'aime plus les sneakers, c'est pas que je suis plus intéressé par ça, mais j'avoue qu'il y a un... ça, c'est un peu descendu. Alors, on va peut-être l'expliquer par différentes choses. Premièrement, il y a mon pseudo défi où je suis censé ne plus acheter de paire Russell pendant 1 an. Je l'ai pas vraiment respecté parce que j'ai acheté une paire à Denis, je crois, et j'en ai acheté une sur Vogue, même si sur Vogue j'ai presque pas payé la paire, mais bref, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, ça m'a vraiment permis d'arrêter de faire n'importe quoi, parce que je vais être honnête avec vous, au début milieu de ma chaîne YouTube, je sors beaucoup d'unboxing, je sors des Travis, je sors des paires Early, j'essaie de faire beaucoup d'achats et j'arrive à un moment en fait où bah je mets plus trop d'argent de côté et je mets beaucoup d'argent dans mes vidéos, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça m'a permis d'augmenter les gens qui me suivaient, ça m'a permis de connaître des gens, ça m'a permis de me faire connaître par les marques, ça m'a permis d'aller en événements. Il y a plein de trucs qui sont rentrés là-dedans et même beaucoup d'argent que j'ai dépensé dernièrement, c'est dans les voyages pour aller aux événements, tu vois. Donc c'est pas si grave en soi et puis au bout du compte, vous inquiétez pas pour moi, je vais très bien financièrement. Mais voilà, on arrive à un moment où je me suis dit, Thibaut, là il va falloir que tu te calmes parce que tu fais n'importe quoi. Et en fait, on s'habitue très vite à ne plus acheter des paires Russell parce qu'on ne trouve plus l'utilité. Même là, bah, vous l'avez vu avec la vente avec la vente vintage, je commence à revendre pas mal de mes vêtements, de mes chaussures aussi, tu vois. Là, je te prends n'importe laquelle, hein, ici. Bah, la bleue, tu vois, c'est la première Max One que j'ai achetée et j'ai dû la mettre 10 fois. Et je me pose la question des fois, si est-ce que j'ai vraiment besoin de ça à la maison? Est-ce que j'ai besoin vraiment de ça pour moi? Est-ce que ça me sert vraiment si je les mets pas? Alors, j'ai toujours ce truc-là d'aimer ce que j'ai, d'aimer ce que j'ai acheté et le truc de collectionneur, je pense qu'il s'enlèvera jamais. Et d'ailleurs, on fera une vidéo dans pas très longtemps, dans les semaines à venir, sur toutes les collections que j'ai parce que bah, j'ai envie d'ouvrir un petit peu les champs. Bref, on en reparlera quand c'est le moment, mais il y a plein de moments où je me dis, mais en fait, Thibaut, tu l'as acheté pour une vidéo, ok, est-ce que ça t'a vraiment servi et est-ce que tu les portes vraiment? Je sais pas. Donc ça, c'est le premier point qui est plutôt personnel. Le deuxième point qui est vrai et faux à la fois, c'est que la hype des chaussures aujourd'hui, zéro en fait. Je suis pas le seul à le dire, ou bah les sorties, c'est un peu... C'est un peu tristouné en ce moment, on va pas se mentir. Il n'y a pas grand chose qui sort parce que bah, Nike, ils sortent rien. Hein. Moi, je vais vous le dire, je suis intéressé pratiquement exclusivement que par Nike et Jordan. Et en ce moment, bah, mis à part la Travis dernièrement, la Olive, je me rappelle pas avoir vu beaucoup, beaucoup de hype sur quelque chose. Tu vois, la Jacquemus, elle a pas marché. Les Dunk, en veux-tu, en voilà, j'en parle même pas. C'est un peu l'ennui, tu vois. Et ça, c'est vrai et faux, parce qu'on pourrait très bien aller vers des New Balance. Par exemple, il y a une New Balance bleue qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui était grave cool, il y avait pas mal de hype dessus. Adidas, il y a des Puma, Diadora, machin. Il y a plein de paires, mais il faut bien qu'elles me plaisent, tu vois. Et aujourd'hui, je ne me vois pas, en tout cas, faire un unboxing sur une paire qui ne me plaît pas. Et je vous avoue, personnellement, que niveau contenu, faire des unboxings, ça ne me plaît plus. Acheter une paire pour vous la présenter, je ne vois plus trop l'intérêt personnel à le faire. Alors, acheter une paire, vous la présenter, aller voir des gens dans la rue pour leur demander leur
leurs avis, pourquoi pas. Mais acheter une paire juste pour vous la présenter, faire un unboxing, et je crois qu'on en avait déjà parlé en plus de ça, mais bref, mettre les plans portés et fin de l'histoire, ça ne m'intéresse plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'aime plus trop les sneakers, entre grosses guillemets, parce que j'aime encore ça. Je suis très hype par la Travis Golf qui va sortir, je suis très hype par rien d'autre en fait. Quand j'y pense, genre il n'y a pas de grosses paires que j'attends. Ah si, les Reimagined, les Jordan Wallow qui vont sortir, enfin bref, il y a plein de trucs que j'attends, mais je ne me vois plus faire des unboxings classiques. Et on arrive au moment où, bah, au niveau contenu, ça devient plus compliqué, entre guillemets, de ressortir des vidéos comme on l'a fait. Si vous voulez, et là on prend un autre penchant de la vidéo. Quand je faisais des vidéos, c'était des unboxings, des events, et je me suis un petit peu sorti de ma zone de confort dans le relooking et le sport, tu vois. Mais en dehors de ça, j'ai toujours fait la même chose. On est bientôt à 3 ans de la chaîne YouTube en octobre, et je me dis, en fait, j'ai pas envie de faire ça encore tout le temps, tu vois. C'est pas que j'ai envie de tout arrêter, ça veut pas dire que ceux qui regardent la vidéo et qui kiffent ce que je fais, faut que vous arrêtiez. Personnellement, pour mon épanouissement personnel, en tout cas sur Internet, je ne peux pas ressortir que des unboxings, je ne peux pas faire que des événements de sneakers, même si ça marche énormément sur la chaîne. C'est les vidéos les plus vues, à plus de 100 000 vues, d'autres à 40 000, d'autres à 30 000, je crois que la moins, elle a 20 000, genre c'est quand même assez affolant, tu vois. J'ai vu toutes les paires, j'ai discuté de toutes les paires pratiquement en événement. Je n'ai plus d'intérêt à faire juste de la présentation et donner mon avis, parce que les gens, en fait, ils sont carrés déçus. Je pense, hein, après je me trompe peut-être, mais je pense que les gens, ils en ont rien à faire. Donc je pense que aussi il y a ça qui rentre dans le fait de je n'aime plus trop les sneakers, et mon contenu change, donc je prends plus facilement des pauses, tu vois. Mais la question que vous pouvez poser maintenant, c'est qu'est-ce que j'ai à faire sur cette chaîne YouTube si le mec me présente plus des baskets? Alors j'ai plein de choses à offrir autre que ça, je pense. Il y a aussi les lives que j'ai envie de vachement développer, parce que c'est vraiment un truc que je kiffe, et il faut que j'arrive à me mettre dans ma tête là, qu'il faut que je commence à m'y mettre, parce que faut que je profite de l'été pour ça. Je pense que je vais faire plus des vidéos qui me plaisent. J'ai comme des goals à atteindre, je sais pas comment vous dire, ou j'ai une to-do list si vous préférez, avec des trucs à atteindre. J'ai envie de faire des vidéos produites, j'ai envie de refaire les vidéos de sport, j'ai envie de parler un peu plus d'autres passions que j'ai, typiquement les concerts, les parcs d'attraction, les mangas un petit peu moins, même si on va dire One Piece, même si j'ai pas envie de parler de One Piece, l'e-sport aussi. Il y a plein de choses que j'ai envie de développer, et je pense que ça pourrait ne pas être inintéressant à développer sur cette chaîne YouTube là. Je pense que j'ai la chance d'avoir des personnes qui me suivent pour ce que je suis, et plus que par rapport à ce que je propose sur Internet. C'est un petit peu lié les deux, mais j'établis ça par le fait que les gens soient hyper investis dans les commentaires, hyper investis sur Instagram, sur Twitter, sur plein de choses, et je me dis que j'ai de la chance en fait. Donc pourquoi pas utiliser cette chance là et de la mettre à bon escient là-dedans. Après, peut-être que les vues ça suivra pas, peut-être que l'engagement il suivra pas non plus, mais en dehors de ça, je pense que pour moi en tout cas ce sera plus cool. Et comme c'est pas mon métier premier, comme je dis, vaut mieux que je m'amuse plutôt que je m'ennuie et que je m'enferme dans des choses qui vont pas me plaire. Typiquement, j'aurais très bien pu aller dans le fake, prendre une paire de Travis fake, une paire de Travis vrai, et de faire la comparaison. Et je sais qu'aujourd'hui ça aurait extrêmement bien marché, parce que c'est ce qui marche actuellement, mais ça ne m'intéresse pas. Point de vue des gens qui me regardent et des gens envers qui j'enseigne, je trouve ça très irrespectueux, tu vois. Donc s'il y a du fake sur la chaîne, ce sera d'une manière différente. Je prends tous les trucs qui marchent actuellement, les tests de marque, ça ne m'intéresse pas, et j'aimerais bien moi me pencher vers les trucs des gros youtubeurs, et j'en avais déjà parlé, mais les vidéos plus produites, les vidéos où les vlogs par exemple, parce que les vlogs c'est un truc que je trouve hyper cool, hyper spontané, et que on va pas avoir la main mise sur le début et la fin de la vidéo, et je trouve ça trop cool en fait. C'est pour ça que les events j'adore, c'est que les interactions avec les gens font la vidéo, tu vois. Je tombais un petit peu dans les événements, pour faire un petit aparté dessus, il y avait les tables qui étaient faites en U, et je faisais le U, tu vois, et je présentais juste les tables, alors que il y a par exemple la vidéo Amsterdam, c'est celle où je parle le plus avec les gens, et c'est celle qui a le mieux marché. Et je pense que c'est ça vers quoi je dois pencher. Si en tout cas je vais en événement, faut que j'aille faire quelque chose de spécial, et que j'aille pas juste montrer les paires, sauf si on est dans des pays qu'on n'a jamais fait. Et ça peut être intéressant aussi d'en faire deux, une où on présente ce qu'il y a parce que on connaît pas, et une où on fait un petit jeu, où on fait un truc à suivre. Voilà. Donc j'aime encore les paires de chaussures, même si je suis un petit peu moins intéressé. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je kiffe les ASICS en ce moment, bref, ça c'est autre chose. J'arrête pas les vidéos, même si j'ai fait une petite pause, je pense qu'il a fallu, et ça m'a fait du bien de m'arrêter. Après on s'habitue vite à ne plus travailler, et du coup quand faut s'y remettre c'est un peu dur, mais le grind va reprendre, et vous inquiétez pas, le mindset est là, et ne vous en faites pas pour ça. Mais peut-être attendez-vous à avoir des vidéos un peu plus différentes de d'habitude. Je vous force pas du tout à cliquer, si vous avez pas envie de cliquer sur une vidéo de sport, ne cliquez pas. Moi je pense en tout cas je vais plus m'amuser à faire ça. Il y aura toujours des unboxings s'il y a des paires que je kiffe à mort, mais je vais essayer de le faire par exemple comme j'ai fait chez Clockers, tu vois. Au moins il y avait
avait une interaction avec les gens, même si c'était juste très basique, genre juste on a montré la paire et fin de l'histoire. Je sais pas encore comment se déroulera la suite de la chaîne, mais en tout cas les vidéos le vendredi continuent à 18h comme d'habitude, et puis on verra comment ça se passera. Si ça prend, ça prend, si ça prend pas, tant pis. Mais il y a plein de choses que, comme je vous ai dit, j'ai des choses à faire, je les ferai, et si un jour l'aventure YouTube doit s'arrêter, elle s'arrêtera, mais en tout cas j'aurai fait les choses que je trouvais intéressantes. Donc voilà, désolé si je donnais beaucoup d'informations. Je pense qu'un élève de 6ème là, il m'a perdu au bout de 3 minutes parce que c'était tellement d'informations en même temps que c'était compliqué à suivre. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, et si vous voulez débattre de tout ça dans les commentaires, je suis chaud qu'on en discute, et même peut-être qu'on en fera un live à propos de ça dans pas très longtemps. Je vais essayer peut-être de sortir la vidéo et le week-end même, ou le week-end d'après, ou pendant la semaine, faire un live par rapport à ça, pour que justement on en discute, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour en parler, n'hésitez pas à me donner vos avis aussi, vous, sur le monde de la sneakers actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez un peu pareil que moi, ou vous pensez justement que bah vous commencez à migrer vers d'autres marques et du coup bah vous trouvez votre bonheur? Enfin bref, plein de choses par rapport à ça. Et puis voilà, moi je vais vous laisser. Arrêtez de dire que je suis lié à la Jordan One Low, s'il vous plaît, même si je suis un petit peu lié à ça. On arrête avec ça. On arrête avec ça. Je vais vous laisser là, je vais pas vous prendre plus de votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Faites attention à vous.